À Québec, le ministère de l'Éducation annule à la dernière minute le party de Noël prévu pour ses employés. Ça doit se faire demain. Soirée donc, José, qui provoquait des malaises en plein conflit de travail des enseignants. Oui, une soirée qui, effectivement, devait se tenir demain dans une salle du Centre des congrès de Québec. Sur les 1100 fonctionnaires du ministère de l'Éducation, il y a 230 personnes qui avaient confirmé leur présence. Mais on comprend, effectivement, là, que cette soirée semblait engendrer un certain malaise chez des fonctionnaires. Même s'ils payaient de leur poche pour cette soirée, on parle de 79 $ pour participer donc à l'événement. Et peu de temps après, des appels, entre autres, de nos collègues du Journal de Québec au ministère de l'Éducation pour poser justement des questions sur cette soirée. Puis, le ministère a décidé d'annuler le tout. Nous avons rencontré donc certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation ce matin. Voici ce qu'ils avaient à nous dire à ce propos. Bon, ça m'est égal. De toute façon, j'y allais pas. Mais dit au contexte avec vos collègues, là, Là, je suis d'accord. Ça, oui, oui. Mais pour, dans le contexte actuel, le fait que ce soit annulé? Bonne chose. Parce que même si on est des employés du ministère de l'Éducation, on est avec les professeurs quand même. Si ça tardait, je sais pas, c'est une question d'éthique, là. Je crois qu'ils ont fait, ils ont pris une bonne décision d'annuler. Je soutiens les proches, je suis très d'accord avec la grève qu'ils font, mais aussi je comprends pourquoi ils voulaient faire un party ministériel, mais je préfère être neutre là-dessus. Bon, José, que disent les enseignants de cette situation? Bien, nous avons visité certains piquets de grève ce matin. Je vous dirais que la plupart des enseignants qui nous avons parlé étaient d'accord avec cette décision d'annuler la soirée. Réaction. Ça n'avait pas lieu d'être, je crois. Hein? C'est même si c'était une bonne initiative qu'ils avaient prise cette année, les autres années, ils n'en avaient pas. Alors, tu sais, c'est un peu mal perçu, je crois. Ça aurait été mal vu que... Bien, quand même, quand même. Nous autres, on est dans la rue, puis eux autres, ils fêtent. C'est comme un peu bizarre, quand même, là. Bien, en tout cas, il y en a qui étaient comme mal à l'aise au sein du ministère. Fait que je me dis, bien, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être parce qu'il y a du monde au ministère d'Éducation qui sort de notre bord aussi. Et les fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui avaient payé pour cette soirée seront, bien sûr, leur remboursés. Merci beaucoup.